C'est ici, dans le quartier résidentiel de Pontaillac, que des Anaplophora chinensis, autrement dit des capricornes asiatiques, ont été identifiés. Le lieu précis est tenu secret, un secret bien gardé, puisque depuis, les arbres infestés ont été abattus et détruits par les services municipaux de Royan, sous le contrôle des services de l'État. Parce que le capricorne asiatique, classé danger sanitaire de première catégorie par décret ministériel, est pris très au sérieux par les autorités. Il est dangereux pour l'arbre puisqu'il peut faire mourir l'arbre dans un délai de 4 à 5 ans. Donc forcément, il faut éviter que la larve fasse des galeries, fragilise les arbres, que ces arbres tombent, et donc, etc., etc. Face au risque potentiel de cet insecte, la municipalité a organisé ce mardi soir une réunion publique. L'objectif étant surtout de rassurer des riverains avides d'informations. Je suis venu pour deux raisons. La première, c'est que j'habite le quartier concerné. Et la deuxième, si je connais bien le capricorne banal, je ne connais pas le capricorne asiatique. Je viens pour savoir ce qu'il faut faire. J'ai un jardin qui est assez grand et je suis dans une zone de Pontaillac boisée. C'est pour ça que je suis là. Un plan de prévention a été effectué depuis le lieu de la découverte des capricornes. À 100 mètres autour, tous les jardins seront méticuleusement inspectés. Une zone tampon de 2 km fera quant à elle l'objet d'une surveillance accrue. En espérant que la contre-attaque de l'homme aura eu raison de l'offensive du capricorne asiatique, qui n'est définitivement pas le bienvenu à Royan.